Pascal se prend. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut le juice dans la maison. Let's do some Times Square, yeah baby. Le juice, bonsoir, bienvenue dans Move Rap Club. Salut. Ça me fait plaisir de te recevoir, ça va bien? Moi aussi, ça va depuis la très dernière cool. fois. Ouais, sur Times Square, on va en reparler dans un instant. En tout cas, ce soir, t'es là pour nous présenter Iconic, ta nouvelle mixtape, et pour en parler avec moi, DJ Serum. Et là, Il garde le juice. Direct. Il est trop fort. Salut. Et Ismaël est là, vous l'entendez. Ismaël du 19ème. Voilà. Tout simplement. Alors le Juice, ça fait 4 ans que tu rappes. En 2020, t'as sorti tes deux premiers projets, Trap Mama, suivi de Jeune CEO. Et en 2021, t'as rien sorti, mais t'as passé une année de gueudin. C'est toi qui l'as dit sur tes réseaux. D'ailleurs, t'as posté un message pour remercier l'univers en premier pour tout ce qu'il t'a offert l'année dernière. Et la liste est longue. Plus de 20 dates de concert, hein. Donc t'es prête pour ton Trap Mama Tour qui arrive en 2022, c'est ça, des festivals, plein de dates. Ouais. Ça se voit que t'as kiffé en plus. Hein, voilà. Pour une tournée en plus, il faut un tourneur et ça tombe bien. En 2021, t'as signé avec Live Nation, les promoteurs numéro 1. Voilà, incroyable. Gros nom, ils ont des listes, enfin ils ont tout le monde. Ils ont tout le monde, voilà. Si vous avez été voir un concert dernièrement, ils sont certainement derrière. Ouais. En 2021, toujours, il y a eu Rennes, le documentaire sur Canal+, qui donne le morceau à plus de 4 millions de vues sur YouTube aussi. Ouais. Donc un de tes morceaux les plus populaires à ce jour. T'as fait des feats sur l'international également. T'as également monté un média qui s'appelle Omni TV. Voilà. Et t'as même fait la couve d'Equal, le programme de Spotify, donc ce qui t'a permis d'être affiché en grand, en immense, sur Manhattan. Une façade à Manhattan à Times Square. Incroyable. What the fuck. Et du coup, sur tes réseaux, et tu as eu bien raison, tu t'es permis de partager cette vidéo de Fat Joe. Price went up. If you're a promoter, if you're doing a rap concert, yesterday's price is not today's price. C'est la meilleure phrase. Les prix d'hier ne sont plus les prix d'aujourd'hui. Voilà. T'as augmenté les tarots, normal. Times Square, c'est normal. Voilà, c'est plus la même. Vous avez compris. Les promoteurs, mais bon, maintenant t'as Live Nation. T'inquiète, je pense qu'ils sont bons là-dessus. Ils sont très bons. On est vraiment sur la même mentale niveau business. J'adore. D'accord. J'adore. Ok. Jeune CEO reconnaît jeune CEO. Reconnaît Big CEO. J'avoue. Iconique définition, se dit d'une personne qui incarne un courant, une mode, une époque, etc. Alors toi, selon toi, qu'est-ce que tu incarne ou qu'est-ce que tu aimerais incarner? Il faudrait que certaines personnes mettent du respect sur mon nom. Non mais franchement, des fois, je suis quelqu'un de... Je sais pas comment dire ça. Je reste à ma place, mais aussi je sais dire, je parle quand il faut parler. Et je pense que pour revenir sur cette définition, mon modèle... musical, il existe nulle part ailleurs. Je connais, si tu peux me citer après, je sais pas, un artiste qui s'autoproduit et qui est à côté d'artistes en majeur. Bah, je pense qu'il doit en avoir, mais honnêtement, je pourrais pas t'en sortir direct, Isma. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle incarne l'indépendance. Il y a un vrai truc et dans ta philosophie de vie, c'est ça. Truc. En tant qu'artiste féminine, ce que je porte, c'est un rôle modèle qui n'existe pas avant, tu vois. D'un artiste qui ouvre son label et qui le gère toute seule. Et je te parle pas d'indépendance avec une équipe. Avec une équipe derrière, en vrai, il y a 40 renois qui produisent le bail, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est une vraie société, jeune CEO. Non, c'est même pas pour dire que c'est pas des sociétés qu'ils ont mes refrains, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autres personnes derrière. Ouais, c'est solo, c'est en indé total. C'est mon label, tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est plus ce rôle modèle-là qu'on incarne et que j'espère que ça va motiver d'autres personnes à se dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre le Messie pour commencer à faire de la musique et que ça fonctionne bien, tu vois. Ouais, t'aimerais que les gens, quand ils pensent à toi, ils pensent à l'entrepreneuse que t'es, aussi peut-être la femme noire aussi qui a lutté contre les difficultés qui peuvent être sur sa route, c'est ça en fait, t'aimerais représenter clairement, un peu clairement, un nouveau rôle modèle quand même, vraiment. Ok. Inspirer d'autres personnes. Et sur la tape, on retrouve le morceau Iconique également. Et dedans, tu dis « Je n'ai plus de limite, je suis Juicy, n'est plus timide ». Et là, je me suis dit « J'ai du mal à imaginer le Juice timide un jour dans sa vie ». On la connaît pas je en me suis vrai, dit, c'est quoi trouve, elle est très timide. C'est vrai ce mensonge ou quoi?
Si, je suis timide, bon. Si, j'ai mes petits côtés où je suis des fois un petit peu insécure, ou tu vois, je suis un peu. Voilà, après, on s'arme de courage, tu vois. Mais c'est pas inné, genre, non. Tout le monde est un peu intimidé au début ou quoi, tu vois. Après, on s'arme juste de courage, comme je disais. D'accord, ok. C'est quoi, en fait, qui t'a permis de vaincre ta timidité? Qu'est-ce qui m'a permis de vaincre ma. Moi, je suis une rageuse. Ouais. Je suis une rageuse, ce que je veux dire, c'est. Je suis beaucoup. Je suis une compétitrice. Je suis une compétitrice et vraiment, j'essaie de toujours. Donner la meilleure version de moi-même, d'évoluer tout le temps. Donc, quand je vois que j'ai des failles, des trucs qui me bloquent ou quoi, genre, je me dis, bah vas-y, c'est là que tu dois aller alors. Quand t'as, si t'as peur, c'est que vas-y. C'est que c'est gros. C'est le seum qui t'a fait vaincre la timidité. Elle s'est dit, c'est pas grave, la timidité, lui, il m'a trop foutu la haine, je vais lui prouver le contraire. C'est ça, ouais, en gros. Les gens, c'est tout ce truc, la timidité, de fait de. Tu vois, de pas se contenter d'une situation où t'as peur de faire les choses, en fait, tu vois. Je capte. Non, c'est bon, il est temps. En tout cas, c'est clair que dans ta bio que j'ai reçue, ça se termine par une phrase, celle-ci. Si elle se gardait bien de nous dévoiler ses nombreuses facettes dans ses deux premiers projets, le Juice a depuis modulé son style et se laisse aller à révéler sa force et sa douceur sur ce nouveau projet. Et je me suis dit, effectivement, on connaissait le Juice en mode gros banger, mais on a découvert une nouvelle facette récemment de toi sur le dernier extrait, Dieu soit loué. Petit extrait. Il nous regarde haut, je pense à grand-papa. Petite fille de soldat, je suis préparée au combat. Pour eux, pas de médaille, jamais on en parlera. C'était des héros Petit impoli, connu des services de police. À l'époque de rallye, il y avait pas grand-chose dans le caddie. Il faut de la monnaie, petit frère fait des trous dans son bonnet. Sans ça, pas de respect, quand on est fâché, tu nous connais. C'est un joli morceau. Bah ouais, justement, je voudrais rebondir là-dessus, parce que tu disais ne pas se cantonner à ce qu'on a déjà. Ouais. Tu le dis souvent dans tes textes, t'es une bosseuse. Et sur quoi tu penses avoir progressé ou évolué musicalement depuis le précédent projet? Je pense avoir évolué sur la profondeur des titres, sur le fait de pouvoir accepter de me dévoiler des parties un peu plus vulnérables de ma personnalité, tu vois. Ouais. Justement, avec l'ego trip, la trappe, tu vois, t'es toujours en mode super warrior, tu vois. Et montrer que, justement, après, je me suis aperçu aussi, même avec mes auditeurs, qu'ils avaient que cette image-là. Ils pensent que moi, je suis genre. T'attrapes maman, il y a que, c'est que. Non, et après, je voulais aussi montrer que ça fait partie du truc. C'est, on a plusieurs facettes. On a tous des moments où, tu vois, on est vulnérable, où on pense à son passé, où on est un peu plus nostalgique ou quoi. Et même. L'expérience aussi de la musique me fait moins timide musicalement. C'est surtout ça, je parle de timide, c'est timide musicalement en plus. D'accord, ok. Tu vois, la peur de dévoiler des morceaux un peu plus introspectifs qui parlent de moi, qui montrent où je chante, où je parle de ma famille. Mais on sent que tu as poussé le travail sur ta voix encore. Tu le faisais déjà avant, mais là on sent dans plusieurs morceaux que tu as changé les amplitudes et tout, que tu as évolué là-dessus. Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est comme si, tu vois, tu passes des steps et même ta voix, tout se décoffre un peu plus, tout se. Est-ce que tu t'es étonné des fois en disant, ah, je savais pas que je pouvais faire ça, ouais, ou aller là-dedans? Ben, par exemple, tu vois, le morceau Dieu soit loué, quand je l'écoute, je suis gêné encore. Il me déstabilise beaucoup, ce morceau, tu vois, parce que, genre, je trouve que là, vraiment, sur ce morceau, je me suis un peu dévoilé au niveau sentiments et sur ma vie, sur comment, tu vois, sur plein de choses, voilà. Iconique en tout cas, ces 12 titres et 4 feats, Tatalia, Imra, 2 Siskeus et Igo. J'ai l'impression que t'as un peu plus bossé en famille par rapport à ton projet précédent, où on retrouvait Stavo, qu'on a pu entendre sur Buvance tout à l'heure, Meryl ou encore Joker. Donc est-ce que c'est le cas, quoi? Ouais, clairement. Moi, je suis très partisante des feats de cœur, tu vois, parce qu'on est beaucoup un peu dans cette matrix-là de vas-y, sors un projet, chercher des gros blasts pour booster. Tout ce truc un peu mécanique, justement, moi, j'ai vraiment pas envie dans ma carrière, tu vois, d'être trop dans les codes ou quoi. J'ai envie d'être très instinctive et de faire tout ce que j'aime, tu vois. Donc là, il y a Tatalia qui est un mec de chez moi avec qui j'ai grandi. Il y a Vintikus aussi avec qui on est devenu super proche, c'est devenu la mif, tu vois. Et Igo aussi, c'est un mec qui a grandi dans mon quartier. Et Imra Sayen, un artiste ivoirien, donc fallait que je mette un artiste de Côte d'Ivoire dans mon projet, c'était sûr. Ok, ok. Il devait pas y avoir un feat avec Meryl ou pas? Parce que dans ta bio, ils ont laissé une petite phrase. je te la cite. Ça annonce le feat. Sur son titre Bentley, le Juice est de nouveau accompagné de la talentueuse Meryl sur un single entraînant, saupoudré d'ego trip, subtilement dosé. Ici, les deux rappeuses s'imposent encore une fois. Après, je suis passé à côté du feat avec Meryl ou quoi? J'ai re-regardé le tracklist, j'ai dit, mais.
Bah écoute. Il y a eu un oubli, le stagiaire il a oublié de faire contrôle sup ou quoi. Ouais, c'est ça. En fait, pour être honnête, bon, du coup, on a l'info, donc je t'en vous parle. Vous avez l'info, voilà. Donc autant qu'on en parle, mettez les pieds dans le plat. Ouais, il devait avoir un projet avec. Un morceau avec Meryl. Yes. Et dernière minute, je l'ai enlevé du projet. D'accord, ok. Voilà. Très bien, on l'entendra peut-être un jour ce titre. Mais vous l'entendrez, c'est clair et net. D'accord. Il va sortir, mais pas sur le projet. Ok, ok. Très bien. Le Juice qui n'est pas venu seul, Mucho Dinero et Draco dans ta façon présent dans le building. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, bienvenue à vous, ça fait plaisir. Merci. Alors on va recontextualiser un petit peu tout ça. Draco, toi, t'as déjà bossé avec le Juice à l'ancienne, t'étais déjà à la prod de différentes saisons, t'as aussi produit pour Made in Paris, pour Kalash Criminel, si je dis pas de bêtises, ou encore pour Dinos, un de ses classiques d'ailleurs, le N-Checker, côté texte. Je me trompe pas. Voilà. Et toi, Mucho. J'avoue, je vais laisser le poulet. Jackie Brown sur Dinos. Et toi, Mucho Dineros, t'es beatmaker, producteur, rappeur et parolier. T'es présent sur scène aussi avec le Juice. T'es DJ également ou pas? Un petit peu, ouais. Un petit carrément peu aussi, même. Carrément même. Ah, mais c'était pas écrit dans le petit doc que j'ai reçu, c'est pour ça que j'ai eu un doute, mais je t'ai vu avec ses roms là, ça te démangeait de lui mettre un coup de coude là. Laisse-moi faire. J'ai validé cette transition. Il était bon. Et toi aussi, t'as pas fait que ça, c'est toi aussi qui as produit le premier single d'Iconique, Jusqu'à la mort. Petit extrait. Oh, j'encaisse chaque espèce, ma mère dans la tête, devant moi les yeux tu baisses. Sale. Non, c'est trop. Voilà, et Serum va le jouer de toute façon avant 21. Ah ouais, bien sûr, ouais. Comment ça fait la connexion entre vous? Studio, en tout cas. Ouais, studio. Si je me rappelle, c'est Equinox. Ouais, c'est un autre beatmaker, Equinox. Ah. Yes. Qui a travaillé avec la MZ à l'époque, qui a fait beaucoup d'accord, de leurs titres et tout. D'ailleurs, big up à lui, hein. Franchement, il m'a beaucoup aidé et je le remercie encore. Ouais. et Draco, pareil aussi, c'est grâce à Equinox? Non, Draco, c'est au studio. En fait, moi, je bossais dans un studio à Pantin, le 1050 Industries, très bon studio. Et une fois, on m'a appelé à 4h du matin, on m'a dit, il y a une meuf, elle est insolente de ouf, elle aime pas nos prods. Prends un Uber et fais écouter des prods un petit peu. Et c'est le soir où on a fait Trap Mama, du coup, ce soir-là. Pas très timide, du coup, alors, voilà, en tout cas. Je sais ce que je veux. Et par contre, tu vois, direct, par quoi il est arrivé, boum, direct, on a fait Trap Mama. Ouais, dans ta face. Et c'est limite, on va dire, c'est un peu ce morceau-là qui a un peu construit l'identité. Yes. En vrai, avec Draco, tu vois. Donc quand je lui ai fait écouter la prod, elle m'a demandé si j'étais pas ivoirien. C'est beau. J'ai dit ça toi, non? Sur les charlets qui le charlet. Draco, dans ta face, tu t'es dit, mais pourquoi vous me l'avez pas présenté avant, j'imagine? Bah non, mais je rebondis là-dessus, parce qu'il y a une phase dans le premier morceau, Petit Cœur S'Abîme, où tu dis sans beatmaker, on ferait du slam. Logique. Ouais. Ils sont là avec nous et je trouve ça très stylé que tu le mettes en avant. Et que parce que vous avez l'air d'être une équipe qui fait du son ensemble. Comment vous travaillez en studio? Ça ressemble à quoi vos sessions studio avec le Juice? Je vais laisser Draco répondre à cette question là parce qu'il a un regard extérieur que peut-être moi j'ai pas. Okay. Ça se passe super bien. Okay, c'est une connasse. Oh, on recommence quand même. Non, en fait, souvent au début, on se dit pas grand chose, on parle un peu. Enfin, niveau son, on parle pas beaucoup. Elle me demande de faire écouter des prods, on écoute des prods de Mucho. Et en fait, ça va la lancer, comme elle est très instinctive, j'ai remarqué en fait, la plupart du temps, ça va la lancer sur une idée. Ah, oh, d'ailleurs, il fallait que je fasse un son comme ça. Attends, ça me fait penser. Et en fait, ça part, mais brusquement. Ouais. Et voilà, après, ça finit. Ok, c'est des figurances quoi. Ça peut être la journée, il se passe pas grand chose, puis tout d'un coup, bim. Ouais, ouais. C'est un peu comme ça. C'est ça. Ouais. Ou à 4h du matin quoi. Allô, Draco. C'est la nuit, ouais. On travaille de nuit, ouais. Hein, principalement, okay. Vraiment. Moi, c'est mes horaires où mes démons se réveillent. C'est grave 16h. On est bien aligné sur ça. Il y a une certaine complémentarité entre vous deux aussi ou pas? Ouais, bah récemment là je lui ai envoyé un pack de loops, donc on bosse souvent comme ça, moi je lui envoie des loops, il fait une... Mais vous avez des styles différents ou plutôt un style qui... Très différent. Très très différent. C'est-à-dire, dites-nous. Bah, toi, Mucho, t'es comme... Moi je suis très à l'instinct, on va dire, vraiment. C'est beaucoup plus brut. Enfin, j'ai ma touche à moi et Draco, il est très efficace, il arrive très vite à cerner ce qu'il faut. Moi, si je devais en tout cas définir leur style, je dirais que Draco, moi, tu peux y aller. Moi, Draco, je trouve qu'il est quelqu'un de très raffiné, très esthétique,
sur les détails. C'est le côté que j'aime parce que moi je suis quelqu'un de perfectionniste aussi. Donc c'est sur ça qu'on s'entend bien. Et puis j'ai un côté. Donc tu aussi... l'appelles pour Dieu seul, oui. Ouais. Voilà. et le côté caractère un peu très brut, viscéral, le côté ouais. trap. Que Mucho a beaucoup, tu vois, c'est quelqu'un qui jusqu'à la mort, on est dans d'autres ambiances quoi. Tu trappes, de la trappe, tu vois. Qui a fait la prod d'ailleurs du morceau Petit Cœur S'Abîme? Non, c'est pas, c'est un Canadien. Alex Da Great. D'accord, ouais, okay, Alex okay. Da Great avec un autre beatmaker, c'était une coprod. Et Donc c'est pas que Mucho et Draco non. sur le projet. Mais majoritairement quand même. À 90% on va ouais. dire. D'accord, ok, ok, ok. Mais ça, tu vois, par exemple, Petit Cœur S'Abîme, c'est le track qui est arrivé 3 jours avant la livraison du projet. Et il tue, hein. Tu vois, c'est un très bon morceau. Elle est fort. C'est un très bon morceau. J'ai une dernière question, ce franc. Vas-y. Si je dis pas de bêtises, t'as ouvert ton studio ou pas? Ouais. J'ai ouvert un studio l'année dernière. Ok. Et je suis en train d'en ouvrir un autre parce que là, j'ai arrêté le studio. Ah, ok. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de composer, d'avoir ton lieu aussi à toi? À fond. Ouais. À fond, c'est une aisance, tu comptes toutes les heures. Ah, j'ai pris 4 heures de studio, tu vois. Donc ce projet, il a été fait vraiment cool. On a grave eu du temps de pouvoir faire plein de sons. Expérimenter des trucs. Ouais. Beaucoup, même. Ouais, vraiment. Et puis il y avait de l'espace physiquement. Ouais. Et comme on a un grand danseur ici. Elle se débrouille aussi. Ah oui, c'est parolier, que... DJ danseur aussi également. Ah ouais. Okay. Michael Jackson. Grand danseur. Le Juice, c'est une interview en deux temps. On va commencer par parler de ce que tu as pu faire d'iconique jusqu'à présent. Et puis après, on imaginera ce que tu pourras réaliser d'iconique dans le futur. C'est bien de se projeter un petit peu. Ouais. On commence par les accomplissements parce que, comme tu le dis dans le morceau iconique, justement, il est temps de fêter. Donc, fêtons. Première question. Depuis tes débuts dans la musique, quel est le moment le plus iconique que tu as pu vivre? C'est dur. Ça peut être en studio, ça peut être sur scène. Ouais. Moi, j'ai pas de mémoire. Il y a Draco qui lève la main. Heureusement qu'ils sont là parce que franchement, des fois. Ah si, j'en ai un. Mucho. Iconique, on l'a pas dit, il me sort pas des dossiers. Non, allez, ça sent des trucs. Calmez-vous, les gars. Le dossier iconique, ça arrive après. C'est iconique, vraiment. En Côte d'Ivoire, quand t'es arrivé. La journée, voilà. C'était... Ouais. C'était quoi? Sortie présidentielle, courir. Les militaires. Ouais. On court. Genre, c'était on est en retard pour le show. C'était l'année dernière, justement. Où le on a 27 décembre 2020. Ou 2000. C'était quand? 27 décembre. Ok, 27 décembre 2020. Ouais, 2020. Ok. Ouais, on a fait. Il y avait un festival à Abidjan, ça s'appelle la Sunday. Mm-hmm. Big up à eux, d'ailleurs, à tous les organisateurs, DJ John Lio, etc. Pendant que nous, on était là en France à avoir froid et tout. Ouais. T'étais bien, ok. Plein Covid, en plus, ouais, et tac et tout. On arrive, c'était le soir même du concert, j'arrivais tard, donc le concert avait déjà commencé. T'avais loupé ton avion, même. Ah ouais, ok. Okay. J'avais loupé mon avion et on fait rentrer. Rostage jusqu'au bout, gros. Jusqu'au bout. Iconique. Tac, sortie présidentielle, tac, tac, tac. Van, gros pick-up. Non. Et lui, il était déjà là, c'était un boss, hein, lui, Abidjan aussi. Hein. Attention. Là, Abidjan, il était chez lui déjà. Donc, j'avoue, ce jour-là, directement, boum, Van, boum, on arrive directement sur stage. Non, non. Ah, ok. Il faut passer à travers tout le monde qui est à l'extérieur déjà. Et tout. Non, c'était cool. Et toi, t'étais un peu mal à l'aise ou dans ta tête, c'était normal? J'arrive. C'est normal, hein, c'est la vie qu'on veut. C'est la vie qu'on veut. Donc maintenant, quand elle arrive, pourquoi tu veux la rejeter? Rockstar. Rockstar, bitch. Je l'accueille à bras ouverts. Il se dit. On continue. Quelle est la rencontre la plus iconique que tu as eu l'occasion de faire grâce à la musique? Si tu as pu faire des rencontres importantes comme ça. Trippie Redd, Offset, Rich The Kid. Au même moment, au même endroit, au même endroit. Quavo, même endroit dans un strip club à Los Angeles. Mais non. mais tout le monde qui va dans un strip club aux États-Unis tombe sur des rappeurs. Non, pas aux États-Unis. À Los Angeles. Il est à Miami, il y a pas plus tard que deux mois. Israël. Il a vu Kodak Black. Parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Kodak Black. C'est son ami d'enfance maintenant. Depuis décembre dernier, c'est son ami d'enfance. Exactement. Donc tout ça dans la même. Tu leur as parlé un peu? Même soirée. Bah en fait, ils allaient me niquer. Parce que j'ai mis un coup de physique à Offset. J'étais fatigué de ouf. J'étais fatigué de ouf. Et donc, moi, je sors de la boîte, on sortait. Et donc, vraiment, tout le monde est grand, du monde. Donc, moi, je fonce des choses, je marche, je veux juste. Tu sais, quand tu pousses les gens, tu regardes pas et tout. Non, non. Et eux aussi, en fait, tout leur staff, ils sortaient. Donc, c'est-à-dire que moi, je bouscule. Truc pour plusieurs fois, Offset, pour passer. Ils me regardent, boum, équipe qui regarde tout le monde. Moi, je dis non, je suis là tout non. J'ai même pas répondu, j'ai fait comme ça. Et maintenant, t'as dehors, c'est quand je partais avec Joker et tout pour clipper justement. Ils sont dehors, eux, ils voient la scène de dehors.
C'est-à-dire, c'était déjà sorti. Il me regarde, il se dit. Je te fais plein de signes. T'es malade et avec tout. Qui tu t'embrouilles? Et moi, après, je sors de la foule et tout. Je vais devant. T'es sérieux, t'as pas vu cette upset? Non, qui. J'ai fait ah ouais. C'est pas grave, c'est rien. Ah ouais, j'ai pas pu profiter vers la groupie. Il y avait pas de groupie là-bas, pas un téléphone sorti. Ouais. Alors que normal, dis, mais dans le club. On les voit dans tous les strips apparemment, bah, ils sont toujours présents. Ils sont pas jaloux ce froid. Ouais. Donc peu, ouais, c'était la sortie du projet de Rich the Kid en fait qui fêtait ce soir-là. Délire, okay. Délire. Trop okay. Bien. Incroyable. Dernière question de cette partie 1. Le Juice, c'est une mentale d'entrepreneuse, on en a parlé, beaucoup de détermination, ça revient souvent dans tes sons et c'est ce qui peut faire de toi une inspiration pour plein de gens, plein de jeunes. C'est quoi la décision business dont tu es le plus fier jusqu'à présent? La décision de business, l'ouverture d'un label, hein, en vrai, la collab avec Live Nation, peut-être. Ouais. T'as l'indépendance que tu souhaites aujourd'hui? Ouais. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir une superbe distrib. The Orchard, un gros bisou à Zineb, parce que vraiment, je suis un peu quand même... avec les majors, d'expérience, ce qu'on dit des majors ou des maisons de disques ou de peu importe, tu vois, c'est une image un peu des fois ternie. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une distrib en tout cas qui se passe bien et des gens bienveillants, archi impliqués et tout. Donc, Après, ça dépend du contract d'art. Quand t'es en distrib, en général, ça se passe plutôt bien. C'est quand ils se mettent à contrôler ta musique, ouais, tu vois ce que j'ai ou ton image. Ou qu'ils te calculent vraiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Le placard, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, pour le coup, c'est cool. Ouais, ok. Et oui, on a parlé du passé et du présent. Imaginons maintenant le futur iconique du Juice. Ça va être un bon moment, ça, c'est sûr. T'as eu la chance de faire pas mal de concerts ces dernières années, on en a parlé. Si tu pouvais faire une scène iconique, ça serait où? Rolling Loud. Ok. Ça, y a toujours un beau casting. Mais je le ferai. Bah, franchement, c'est tout ce qu'on souhaite. Faire. Retenons-le. On est quelle date? On est le 10 février. Ouais, le 10 février. Je serai en 2023, je ferai le Rolling Loud. Tout ce qu'on te souhaite. Si tu pouvais réaliser un featuring iconique, quel casting tu choisirais? Gucci Mane dedans. J'avais que t'allais dire ça. Hamza, Gucci Mane. Un feat de de francophone, ouais. Hamza, ouais, c'est ça qu'il faut. Une autre meuf. Megan Stallion. Yes. Et... Nakia. Nakia. Ah ouais, je vois. Non, tu connais. Ah, c'est pas iconique encore. Tu passes dessus. Ouais, je passe. Et qui a la prod? Draco et Mucho Dinero à la prod. Et là, c'est iconique. Bah, ça enchaîne parfaitement avec la question suivante, puisque tes beatmakers sont déjà iconiques, ouais. C'est sûr. C'est mais si tu devais travailler avec un autre compositeur légendaire, tu choisirais qui? Je vous ai dit que vous étiez légendaire, hein, les gars, donc ça. Merci. Quelqu'un d'autre encore. Ça, c'est dit. Metro Boomin. Metro Boomin, ouais. Validé ouais. Par Draco qui a fait un petit oui. J'allais dire un truc peut-être auquel t'as pas pensé, Timbaland. Non. Timbo. Non. Timbo, c'est. Ah ouais. Hein. Elle dit non comme ouais, ça. Non, tranquille. Quoi que, ouais, c'est Timbo, il a une touche beaucoup. Après, il est moins. Non, je kiffe Timbaland, mais là, actuellement, là, c'est ouais, plus Metro Boomin, tu me dis quoi. Timbaland, c'est il y a quelques années. Il est, ouais, il est toujours d'actu. Il est toujours d'actu, mais il est juste d'actu. On le voit beaucoup moins. Il faire un benga là, tout de suite. Ok. Ouais, bon débat en tout cas, j'aime bien. Metro Boomin, moi je suis d'accord. Hein. Si tu pouvais être un CEO iconique, tu serais qui? Jay-Z. Ouais. C'est mon papa. Quelle autre réponse? Il n'y a que ça. C'est mon papa. Non, mais elle a pas dit Jeff Bezos ou un truc comme ça, tu vois. Elle est restée dans le rap game déjà. Ah, tu mais vois. Moi je préfère être Jay-Z que Jeff Bezos. Hein. Ouais. Mille fois. Déjà, t'as des cheveux. Et ta femme, c'est Beyoncé en fait. Juste ça en fait. Clairement. C'est Beyoncé. Tous les soirs, je m'endors avec Beyoncé en fait. Dernière question, le futur iconique dont tu rêves pour toi dans 5 ans, on va dire. Parce que je sais que tu as des business plans, je sais que tu fais pas les choses au hasard, donc il ressemble à quoi ce futur dans 5 ans? Mais on dit pas tout aussi, donc tu vas regarder le mot l'œil, l'œil ouais, des c'est gens vrai, là. C'est vrai. Non mais déjà que. Le juice côté en bourse. Pas mal là. Elle n'y avait pas pensé, mais pourquoi pas? Non, après pas. Times Square, gros. Ouais. Non, mais que j'aimerais bien développer le label sur un peu de manière 360 sur tout ce qui compose la musique, l'industrie du rap, genre, tu vois, pour développer mon label qui devienne quelque chose de
de puissant et avoir un média aussi. C'est quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, de développer Omi, comme on a parlé tout à l'heure. Alors on devrait en reparler peut-être tout à l'heure, on va voir. C'est, ou quand tu iras à l'épicerie et que tu iras acheter vraiment le juice pour de vrai, tu vois ce que je veux dire. Là, tu vas dire, ah ouais, là, c'est devenu vraiment jeune du CEO. Bon jus, en plus. Ou big CEO. Ouais, donc ouais, que mon label soit plus gros et puis développer plein de trucs pour contribuer. Je veux laisser une trace dans le hip-hop français, tu vois. Je veux contribuer même à d'autres, à aider d'autres rappeurs à faire d'autres trucs, tu vois. Voilà. C'est que le début. C'est que le début. Ok, ok. Encore une question, Ismaël ? Non, c'est fait. Donc, préparons-nous au futur iconique du Juice. Exactement, on est prêt et on va passer direct en mode iconique, justement, parce qu'on ne l'a pas trop entendu, mais elle va s'exprimer avec ses mains. Tout de suite, c'est DJ Serum. En plus, merci à toi, le Juice, car tu nous as offert une exclue ce soir. C'est le morceau Ganos en feat avec Imra. Avec Imra, mais voilà. Je peux poser une question. Sur une prod de Mucho Dinero. Sur une prod de Mucho Dinero. Moi, j'avais une question, justement, parce que c'est un artiste ivoirien. Ouais. Je sais que c'est ton pays d'origine et que tu as fait plusieurs voyages ces derniers temps. Est-ce que ça t'inspire musicalement dans ta création ? À fond. À fond. Et les artistes ivoiriens sont écoutés ici, par les artistes même français. Là, on commence à avoir beaucoup de feats avec des artistes ivoiriens. Là, dernièrement, je sais que ce soit Junior Bendo, ils ont fait des feats aussi avec Imra. Maintenant, la scène rap française, le Sky Joker, ça s'ouvre de ouf. Il y a grave du talent, ils sont grave talentueux, ils sont grave inspirés. Et moi, mes origines m'inspirent dans la musique, mais rien qu'avec Ganos, par exemple. Tu vois, donc les rythmiques, la manière de poser, des fois un peu... ça éveille, tu vois. Dans quel état d'esprit ? Sereine, tranquille, stressée, pressée ? Sereine ? Pressé de fêter la sortie du projet, que les auditeurs écoutent. Voilà, je suis pressé que ça sorte. C'est bon, tu vois, quand tu fais de la musique et tout, à un moment, quand tu prépares la sortie d'un projet, ouais, c'est bon, t'as juste envie que les gens ils écoutent la musique, la matière première, tu vois. C'est Rome, tu voulais dire. Ouais, moi j'ai écouté le projet en fait, mais on sait pas trop ce que t'écoutes. C'est quoi tes influences en fait ? On n'arrive pas trop à savoir. Ouais, parce que ce que j'écoute et ce que j'ai écouté, ça ressemble pas forcément à ma musique de maintenant, tu vois. Et c'est quoi ton kiff en ce moment ? En ce moment, ouais. Bah, ce qui changera jamais, moi, c'est R&B soul. Hein, ok. De base. Ouais. Moi, je suis une enfant de R&B en vrai de vrai. Ok. Mary J. Blige au Super Bowl dimanche soir. C'est vrai ? Mary J. Blige. Mais tu vois, Mary J. Blige, par exemple, c'est une partie de mon enfant très jeune, base, hein, tu vois. Mary J., c'est la base. Bah ouais. Money, call me Money. Money, pour ceux qui regardent Ghost Power. Ça va faire comme avec Missy Elliott quand elle avait fait le Super Bowl aussi, où après, il y avait plein de jeunes sur Twitter qui disaient, je sais pas qui est cet artiste, mais franchement, elle déchire. C'est pareil pour Mary J. C'est possible. Ah, mais puisque tu parles de ça, Sofran, j'ai une question. Tu fais une référence à Papouze, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est d'ailleurs la deuxième référence dans le rap français avec le son de Val là il y a une semaine. Il a un son qui s'appelle Papouze dans son album, bref. Mais c'est marrant parce que Papouze c'est un excellent rappeur, mais qui est un peu disparu, en tout cas en France, on n'entend pas. Connu, voilà, il est pas très connu. Comment t'en arrives à parler de Papouze du coup ? Ce que je disais, que je veux un négro fidèle comme Papouze, parce qu'en fait. Il a soutenu Rémi Ma. Voilà, Rémi Ma qui est une rappeuse américaine, pour ceux qui connaissent pas. C'est une rappeuse américaine connue en tout cas dans sa discipline là-bas. Et son mec, elle a fait de la prison, une très longue peine. Et son mari, il est toujours là, quoi. Ouais. Et lui, c'est un ancien rappeur, donc voilà, c'est... OG comme Papouze. OG, okay. Voilà. Ah, ok. C'est incroyable. Après, le morceau était sorti, c'est dans le morceau de avec De Cisque qui aussi, donc la ref était sortie... bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, aussi, avant, c'est vrai. Moi, j'ai répondu par rapport à la Zabik, c'est vrai. Alors que dans truc, je dis OG comme Papouze, ouais. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, ouais. Papouze, ça fait partie des mes refs. Un petit mot aussi avant de se quitter, la cover, magnifique, c'est Bobby Dollar. C'est ça c'est ouais. Qui tu l'as rencontré, comment? Est-ce que c'est un artiste super célèbre dans son délire, ou au contraire je sais pas le niveau s'il est famous de ouf ça dans le milieu du dessin, je sais pas, mais moi j'ai vu ses travaux en tout cas. Il m'a déjà fait une cover quand j'ai ouvert mon label. Yes. En fait, quand je voulais annoncer l'ouverture du label, il m'a fait une petite cover avec une trap house, moi, ma sœur et tout. Et donc là, sur le projet de base, on ne devait pas partir sur ça. Ça devait être, tu vois, un shoot classique, etc. Et là, en ce moment, j'essaie vraiment dès que j'ai des réflexes un peu d'habitude, genre de rentrer dans les codes. Et je me rattrape, je me dis, oh, toi, est-ce que tu aurais fait ça ? Est-ce que tu as envie de le faire, tu vois ? Par exemple, je ne suis pas fan des shoots photos.
me faire maquiller, habiller, nan, tu sais, tout ce truc un peu gnangnan de c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai dit là, j'ai pas envie de faire un shoot en fait, j'ai pas envie de prendre des heures à maquiller, me faire des poses. Non, c'est pas moi, tu vois. Par contre, ça c'est moi, tu vois, je kiffe le dessin, l'art, et je voulais faire un truc un peu arty. Ça fait penser un peu clin d'œil à Basquiat, un peu genre dans les influences. Et voilà, je trouve que ça c'est plus moi, ça me représente de ouf et je kiffe. Ah, franchement, voilà. Elle est charmée, je la trouve très belle. Elle est marquante en plus, quand, une fois qu'on la voit. Enfin, le ouais. Marquant est très, très. Et c'est ce que j'ai, par contre, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, je sais pas comment, quand j'envoie, qu'est-ce que je vais m'en dire. Genre, je me suis dit, c'est éclaté au sol. Non, charmée, même le track listing avec des petits dessins et tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, c'est lourd alors, donc les gens ont aimé, c'est cool. Ok. Il y a une tournée aussi de prévue pour 2022. Les dates sont à retrouver sur tes réseaux. La tournée, le Trap Mama Tour. 12 concerts et vous allez tout voir. 3 novembre à la Cigale. Avec, j'ai vu Gobino, l'AMG et Negrito qui vont t'accompagner, c'est ça ? Il y a plusieurs scènes où on est sur un stage de 3 personnes, Gobino et Negrito. Ok. Juste avant de se quitter aussi, j'ai vu que Mucho Dinero est en train de bosser sur une mixtape nommée Shaman et qu'il y a déjà un premier extrait, ça s'appelle Ramène la Moula. Le produit est en os pour être le boss, faut que tu aisses comme mes nègres tombés pour faire ça. Zéro et mes pages de tout ça. La Moula, tu connais. Ramène du La Moula, tu connais. Donc voilà, j'ai placé l'info. Bien renseigné. Voilà, en tout cas, l'actu, c'est iconique. La nouvelle mixtape de Le Juice qui arrive ce soir à partir de minuit. Il va falloir aller streamer ça fort. Il y a de gros sons. Vous avez pu en entendre certains il y a quelques minutes grâce à DJ Serum et son mix. Omi TV aussi. Voilà, parce qu'on crée maintenant des cyphers. Yes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le thème cypher, c'est le même concept que de rentrer dans le cercle de notre chère Sofiane. Voilà, freestyle, 4 artistes, un beatmaker à chaque épisode, un DJ aussi qu'on met en avant à chaque épisode. Et donc là, l'épisode 2 sort aujourd'hui, il a été tourné à la SACEM. Ok. Donc c'est iconique aussi ça. Dites-moi. C'est totalement iconique. Dites-moi. T'as des entrées à la SACEM. Voilà. Pas mal. Donc nous, on rentre à la SACEM, on fait un épisode avec nous. Merci à toi. Move Radio, Hip Hop Nation.